Salut tout le monde, c'est Sisson. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau sur GTA 5 pour le fameux test de vitesse. Attention, pas n'importe lequel, parce que cette fois-ci j'ai tout changé. J'ai changé l'endroit où on fait le test de vitesse, j'ai changé le tableau, et en plus j'ai rajouté plusieurs données, donc je vais tout de suite te présenter le tableau. C'est parti, voilà. Donc, comme tu peux le constater, j'ai placé dans le tableau, oui il est vide, je sais, mais parce qu'en fait il y a des nouvelles données qui vont arriver, donc je vais refaire les véhicules, je vais pas refaire les présentations parce qu'elles ont déjà été faites, mais je referai les tests de vitesse, j'en mettrai plusieurs des véhicules, ce sera plutôt sympathique, tu verras. Donc il y a le classement, hein, premier, deuxième, troisième, hein. Il y a le véhicule, le nom du véhicule, hein, donc par exemple la Kuma, peu importe, hein, le nom du véhicule, et... le type de véhicule. Ouais, dans l'autre tableau, je m'emmerdais à rajouter des couleurs pour définir quel était le type du véhicule. Alors qu'en fait, il suffit de rajouter une case et de préciser quel type c'est. Donc là, tu vois, on a le type moto, le type voiture, le type bateau, hélico, enfin... t'auras pigé, quoi. Et donc, maintenant, le plus intéressant, dans la distance, oui, c'est un abonné qui m'avait demandé ça. Bah, tu sais quoi, mec? Surprise, voilà, c'est fait. Dans les distances, on a la courte distance, donc de 0 à 100, donc pour la courte distance, de 0 à 3 km, et de 0 à 6 km. Et là, franchement, les gars, si vous me dites que c'est pas assez long, je comprends plus rien. Donc, on va tout de suite tester un véhicule, alors c'est parti. Donc, bien sûr, là maintenant, on va tester la Akuchu Drag, la numéro 2, quoi. Et là, tu peux le voir que j'ai créé une piste toute particulière pour les tests de vitesse. Ouais, t'as vu, c'est joli beau. Et en plus, grâce à ça, merci encore un abonné qui m'a dit de faire ça, tu vois. Ça me permet de plus rajouter de chrono, puisque la course rajoute un chrono tout seul. Donc, tu vois, c'est plus moi qui rajoute le chrono. Là, c'est vraiment le chrono de la course. Et tu peux voir que je fais à chaque fois monter le chrono du tour. Donc là, on a déjà passé les 100 mètres. Hein, donc tu vois, la drague, elle a passé les 100, de 0 à 100 en 5 secondes 03. Ouais. Donc là, on arrive à 3 km en 29 secondes 79. Tiens, on va voir si elle va... pardon, je suis toujours malade. On va voir si elle arrive à passer les 6 km en moins d'une minute. Ouais, j'allais pas faire 12 ou 15 km, t'imagines la longueur de la vidéo. Ouh, ce serait interminable. Là, franchement, tu vois, toutes les vitesses sont passées. On entend bien que le véhicule est vraiment bien lancé. C'est du bonheur, quoi. Et voilà, l'arrivée. Donc attention, son temps, c'est quoi? 57 825. Ok, donc voilà, tu vois. Donc oui, comme tu peux le constater, j'ai rajouté des petites couleurs dans le tableau, tu vois. C'est pas magnifique, tout ça. Enfin, bref. Donc, voilà le premier véhicule à être dans la liste. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ce véhicule sera vraiment le plus long, le plus rapide. Vraiment le plus rapide. Ok, donc maintenant on va directement passer au Raptor. Oui, je sais, la vidéo de présentation du Raptor a pas encore été faite. Je la ferai pour demain. Aujourd'hui, j'ai vraiment pas eu le temps. Vraiment pas. Ah, et plus lent, hein. Beaucoup plus lent, 6 secondes 24 de 0 à 100. Par rapport à la drague. Ouais, j'aurais dû faire ça, tu vois, cette ligne, depuis le début, tu vois, j'ai cherché sur toute la map une putain de ligne droite, alors qu'au fait, suffisait d'en créer une soi-même, quoi. C'était tout simple. Ok, donc pour les 3 km, moins de 40 secondes, je sais plus combien la drague elle a fait. Je crois qu'elle a fait beaucoup moins. Beaucoup moins. Ouais, j'ai retiré le tableau pour laisser la petite part de mystère, tu vois, comme ça on pourra vraiment voir ensemble à la fin de la vidéo. Le véhicule, où il se situe et tout ça. Oh, tu vas voir, ça va être top. Elle est où l'arrivée? Oh, plus d'une minute. Et la drague, elle a fait moins d'une minute. Et regarde, je continue encore à rouler. Ah bah là, c'est indéniable, quoi. La drague, elle est largement en tête, quoi. Largement. Ouais. Ouh. Combien? 1,14,410. Ok, donc là, tu peux voir le nouveau tableau. Donc le nouveau tableau, tu vois que en première place, la Akuchu Drag, donc type moto...
a fait en, de 0 à 100 en 5 secondes 03, alors que la Raptor type sportive classique, le C veut dire classique, a fait 6 secondes 24, donc déjà facilement plus d'une seconde dans les dents de 0 à 100, tu vois. Pour les 3 km, elle lui a mis quasiment 10 secondes dans la tronche, quoi. C'est un truc de dingue. Et alors pour les 6 km, j'ai dit 6 km, hein, ou 3 km, enfin bref. Et pour les 6 km, bah, elle lui a mis presque 20 secondes dans la face. Presque, j'arrondis, on va pas s'emmerder à compter. En tout cas, tu peux voir que là, la Akuchu numéro 2, elle est largement en tête, quoi, par rapport au Raptor. Le Raptor ne vaut pas du tout le coup par rapport à la Akuchu Drag. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ce nouveau classement, que cette nouvelle vidéo, que ces nouveaux tests t'ont plu. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Inonde la vidéo de pouces bleus. Partage ma vidéo aussi, parce que franchement, je trouve que ça rame un petit peu là niveau vue et tout ça, et ça avec les temps un peu frais là, ça me fait un petit peu déprimer. Merci pour ton aide. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager et surtout t'abonner. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, et sur ce, ben, joue bien, ciao ciao.